Un jeu Zelda est disponible gratuitement et attention, c'est dans un temps limité. Avant de commencer cette vidéo et aller découvrir ce jeu qui est juste magnifique, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez l'actualité de la Nintendo Switch et de Nintendo en général. Et à mettre bien évidemment, si la vidéo vous plaît, un like qui fait toujours plaisir. On va aller directement sur ma Nintendo Switch pour découvrir quel est le jeu magnifique de Zelda qui est totalement gratuit pour le moment. Et vous allez voir que c'est plutôt spécial ce que nous a fait Nintendo. Donc on va partir directement sur ma Nintendo Switch. Et le jeu qui est bel et bien gratuit, c'est Cadence of Hyrule Script of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Voilà, ça fait un long nom quand même pour le jeu, mais voilà. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est tout simplement un développeur indépendant qui a créé un jeu dans l'univers de The Legend of Zelda. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais normalement, tu dois avoir une licence pour le faire. Eh bien, c'est la toute première fois que Nintendo s'ouvre à ce genre de développeur indépendant qui a permis de tout simplement faire ce jeu et que vous allez voir, moi, j'ai testé un petit peu pour vous le présenter juste après et c'est très très sympa et très bien pensé. Mais avant d'aller découvrir quelques minutes de ce petit jeu, on va tout simplement regarder comment l'avoir totalement gratuitement pendant, eh bien, quelques jours, vous allez le voir. Il va falloir aller sur le Nintendo eShop et attention, il va falloir avoir le Nintendo Switch Online. Alors vous pouvez l'avoir 7 jours gratuit et tout. Alors je sais pas si c'est disponible pour cette manipulation, mais voilà, vous avez juste à aller sur le Nintendo Switch Online qui est juste ici et toujours hein, comme d'habitude, le eShop qui bug à mort vraiment comme d'habitude. Qu'est-ce que je rêve que ça soit réglé tout ça. Vous avez juste à aller là et vous voyez que vous avez des jeux à laisser. À votre gauche, vous avez Fast RMX, qui est tout simplement un jeu de véhicule que j'ai testé et qui est très sympa. Je voulais vous le tester sur la chaîne, mais bon, voilà, il y a eu beaucoup d'informations ces temps-ci, donc voilà. Si vous voulez en profiter, vous avez jusqu'à demain pour en profiter, pour pouvoir jouer gratuitement, totalement gratuitement. C'est très sympa, et puis ça vous fait un jeu dans votre collection à tester. Vraiment, ça peut être vraiment très très cool. Et le deuxième jeu qu'ils ont mis exactement hier, c'est Cadence of Hyrule que j'ai testé un petit peu et vous aurez la possibilité d'y jouer jusqu'au 7 mai. Oui, jusqu'au 7 mai et vous aurez même la possibilité de finir le jeu si vous en avez envie et si vous êtes vraiment des tryharders parce que vous avez jusqu'au 7 mai pour y jouer totalement gratuitement, mais vous pouvez très bien le finir le jeu. Donc ça c'est plutôt cool, mais il va falloir foncer et moi je vais essayer quand même de le finir avant que le jeu à laisser se termine parce que bien voilà, ça pourrait faire un petit jeu avant Tears of the Kingdom qui arrive dans exactement 10 jours aujourd'hui je crois. Donc voilà, ça fait quand même un petit jeu qui est très sympa, mais aussi je voulais me faire celui-là. Je voulais me refaire celui-là, Zelda Link Between Worlds sur 3DS. Oui, je me suis remis à la 3DS et c'est vrai que c'est très très sympa. Celui-là, c'est un de mes préférés, voire mon préféré vraiment que j'ai fait. Et c'est juste génial. Donc j'ai envie de me le refaire un petit peu avant Zelda Tears of the Kingdom. Mais bon, après, ça à voir parce qu'il y a un emploi du temps quand même à se charger. Si je veux faire Cadence of Hyrule, ça va être très très chaud de faire Link Between Worlds. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux du coup à posséder le Nintendo Switch Online parce qu'on est nombreux quand même à faire des games en ligne et tout. Donc je vous partage cette astuce de jeu à laisser si vous aimez Zelda. Et ben, je pense que vous allez apprécier cet opus parce que tout simplement, il va se baser sur déjà un nouveau mécanisme qui a jamais été pensé au niveau de Zelda et je trouve ça vraiment très très stylé. En gros, le but, ça va être de jouer en rythme d'une musique. Vous allez voir que c'est très très sympa parce que vous pensez, mais bel et bien, vous allez devoir vous déplacer sur le rythme de la musique et les ennemis aussi vont se déplacer au rythme de la musique, donc très très sympa. Juste avant, petit aparté, si vous voulez avoir des logos de Zelda Breath of the Wild, ils sont revenus sur Nintendo Switch Online. Je n'en avais pas parlé parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'est très sympa. Vous allez dans Missions et Récompenses et là, vous avez la possibilité d'avoir les logos de Breath of the Wild. Vous voyez que moi, j'ai totalement tout pris, mais vraiment littéralement tout pris, parce que ce sera certainement la toute dernière fois qu'ils apparaîtront dans le Nintendo Switch Online. Du coup, vous aurez plus la possibilité de le faire. Donc, vous avez encore 2 jours, il me semble, pour les récupérer pour la première vague. Et il y aura la deuxième vague qui s'arrêtera juste avant Tears of the Kingdom. Donc, voilà. Si vous voulez les récupérer, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit pour ceux qui ont le Nintendo Switch Online. Et vous allez pouvoir faire des logos de fou sur votre Nintendo Switch.
On se retrouve du coup demain pour une nouvelle Actu Switch. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'actualité de la Nintendo Switch et de Nintendo en général. On approche de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom et j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir de très très grosses vidéos sur la chaîne qui sont déjà prévues. Et puis voilà, pour le moment, pas de let's play prévu pour ceux qui se demandent parce que j'ai pas non plus de gros retours par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un let's play ou quoi que ce soit? Je pense pas que j'en ferai un. Après, voilà, peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer si vous êtes nombreux vraiment à me demander un let's play. Ça peut se faire. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde. Il y a des gens qui veulent voir un let's play, mais il y a tellement de gens qui vont le faire. Donc, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle Actu Switch. Portez-vous bien toujours avec le sourire, c'est le mot d'ordre de la chaîne. Allez, ciao ciao les gars, et portez-vous bien.